Chers enfants de la cinquième année, rebonjour dans une nouvelle vidéo, bien sûr de lecture, la Déclaration des droits de l'enfant, la page numéro 47, toujours l'unité numéro 2. Alors allez-y, on va lire le texte tous ensemble. La Déclaration des droits de l'enfant a vu le jour le 20 novembre 1959. C'est le grand premier accord international sur les principes fondamentaux des droits des enfants. Elle définit les droits de tous les enfants sans distinction ou discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion. Selon cette déclaration, l'enfant a droit à un nom et à une nationalité dès sa naissance, à l'affection, à l'amour et à la compréhension, à une alimentation saine, à un logement, à des loisirs et des soins médicaux adéquats, à une éducation qui lui permet de réaliser ses capacités, aux jeux et aux activités récréatives, à la protection et au secours en cas de danger, à l'éducation, au traitement et aux soins spéciaux que nécessite son état de désavantage ou sa situation de handicap. Alors, je vais vous lire le texte une deuxième fois. Alors, la Déclaration des droits de l'enfant. La Déclaration des droits de l'enfant a vu le jour le 20 novembre 1959. C'est le grand premier accord international sur les principes fondamentaux des droits des enfants. Elle définit les droits de tous les enfants sans distinction ou discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion. Selon cette déclaration, l'enfant a droit à un nom et à une nationalité dès sa naissance, à l'affection, à l'amour et à la compréhension, à une alimentation saine, à un logement, à des loisirs et des soins médicaux adéquats, à une éducation et à une éducation qui lui permet de réaliser ses capacités, aux jeux et aux activités récréatives, à la protection et au secours en cas de danger, à l'éducation, au traitement et aux soins spéciaux que nécessite son état de désavantage ou sa situation de handicap. Très bien. Alors, chers enfants, tout de suite, on passera à la rubrique « Je comprends ». Alors, commençons par la question numéro 1. Quelle est la date de la déclaration des droits de l'enfant? Je répète, quelle est la date de la déclaration des droits de l'enfant? Alors, regardez avec moi. Donc, la Déclaration des droits de l'enfant a vu le jour le 20 novembre 1959. 1959. D'accord? Donc, voilà, on a trouvé la date au début du texte. Alors, la deuxième question, de quoi parle cette déclaration? De quoi parle cette déclaration? Alors voilà, donc c'est le grand premier accord international sur les principes fondamentaux des droits des enfants. D'accord? Donc voilà, la question numéro 3. Quels sont les types de discrimination cités dans le texte? Je répète, quels sont les types de discrimination citées dans le texte? Alors, regardez ici. Donc, voilà, elle définit les droits de tous les enfants. Donc, sans discrimination, donc sans distinction ou discrimination. Donc, ici,
les types de discrimination. Donc, ils sont fondés sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, etc. Donc, on a cité ici la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion. Donc, ce sont les types de discrimination. La question numéro 4. Quels sont les droits cités dans le texte? Quels sont les droits cités dans le texte? Donc, je répète, quels sont les droits cités dans le texte? La quatrième question. Et donc, voilà. Ici, donc les droits cités dans le texte sont donc le droit d'avoir un nom, une nationalité, l'affection, l'amour, la compréhension, donc le droit d'alimentation, d'accord, logement, loisirs, donc des soins médicaux adéquats, une éducation qui lui permet de réaliser ses capacités, le droit au jeu, d'accord, la protection et au secours en cas de danger, donc voilà. À l'éducation, au traitement et aux soins spéciaux que nécessite son état de désavantage ou sa situation de handicap. Donc, cette réponse est pour la cinquième question. Alors, lisons la cinquième question ici. De quoi un enfant en situation de handicap doit-il bénéficier? Alors, un enfant en situation de handicap doit bénéficier d'une éducation, un traitement et aux soins spéciaux. Donc à part donc un enfant en situation de handicap a toujours aussi besoin de donc il a le droit d'avoir aussi un nom. Il a le droit d'avoir une nationalité, l'affection, l'amour, la compréhension, une alimentation saine, un logement, des loisirs aussi, des soins médicaux adéquats, à une éducation, voilà, et au jeu aussi, et à la protection, au secours en cas de danger. Alors tout de suite, passons à la rubrique « J'enrichis mon vocabulaire ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire « les loisirs » ? Les loisirs. Les loisirs, moments libres pour se distraire, par exemple la lecture et la piscine sont mes loisirs favoris. Les soins médicaux. Alors, c'est un ensemble des moyens utilisés pour soigner un malade ou un blessé. Handicap, infériorité physique pour faire du basket, sa petite taille est un handicap. D'accord, je répète, les loisirs, d'accord, sont des moments libres pour se distraire. Par exemple, la lecture et la piscine sont mes loisirs favoris. Les soins médicaux, c'est un ensemble des moyens utilisés pour soigner un malade ou un blessé. Handicap veut dire infériorité physique pour... Par exemple, pour faire du basket, sa petite taille est un handicap. D'accord? Donc voilà, chers enfants. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine. Bonne continuation. Merci pour votre attention et au revoir.